avec deux alliances. Et je me suis mariée le 18 décembre 1950. Je ne le savais pas, j'ai même pas une photo. C'est presque un anniversaire ce soir, alors. Hein. C'est une histoire magnifique. Petula vient de sortir un album magnifique aussi, avec notamment Feelings de Loulou Gasté, dont on va parler dans quelques instants. Cette chanson qui a fait vivre à Loulou des années très difficiles, puisque pendant plus de 8 ans, je crois 10 ans, il y a eu un procès pour reconnaître la paternité de cette chanson. Mais on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, à propos de l'album de Petula, il y a plein de chansons dans cet album, de très beaux titres, grands succès, des titres de la Motown. Et puis, il y a une chanson, puisque les chansons de Loulou ont fait le tour du monde, ont été connues aussi aux États-Unis. Une chanson qui a été écrite par un Français et qui a eu du succès aux États-Unis, c'est Chariot. Oui. Vous vous souvenez de cette chanson? Oui, bien sûr. Vous voulez vous mettre c'était peut-être au piano, Petula, et puis interpréter cette chanson. De moi pour t'accompagner au bout des jours, laisse-moi venir près de toi sur le grand chariot de bois et de toi. De moi, de ma vie et de mon pauvre amour, le long des torrents et des bois, au cœur des dangers et des joies, alors dis-moi, je pars avec toi. Merci Petula. Petula Clark et toutes ses chansons à retrouver dans ce CD, Best of, 3 CD qui vient de sortir.